Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cultist Simulator où nous allons... Alors, je voulais tenter le coup avec un de ces trucs là, avec ces rites. Alors, comment ça marche? On va essayer celui-là là. For summoning, I'm using the power of the knock which will open the way. Alors, qu'est-ce qu'on a comme invocation? Alors, for summoning, alors c'est quoi le rite? Alors, le survivant, ouais, y a un mec qui risque de se faire tuer dans l'histoire. J'ai quelques pions, voilà, que je peux mettre en tant que victime. On peut tenter avec Knock pour un summoning. Et après, ah, on a des instruments, effectivement. Alors... Lanterne, Earth ou Winter. Alors, on a un gros boost lanterne ici. J'ai besoin de plus de pouvoir. Intensité significante de lanterne, un petit peu de knock et ou d'edge. D'accord, ce qu'il me faut, c'est un aspect desire. Bah, j'ai l'ascension pouvoir, mais ça n'a pas l'air de trop marcher. Et ça, ça ne fonctionne pas parce que c'est une influence. Merde. Ah, ça a disparu! Et attendez, si je teste l'autre pour voir. Voyons voir, si je tente... Ah, alors attendez, qu'est-ce que je peux sacrifier ici? Ah, je sacrifie un savoir. Ah, c'est pour sacrifier un savoir, d'accord. Non, on va peut-être pas sacrifier un savoir. Je voudrais réessayer, on va réessayer celui-là. Hein. On va faire une invocation, du coup, on avait dit de secret, c'est ça? Avec ce pion, sauf que du coup on a effectivement nos instruments qu'on peut mettre là, mais du coup en termes de desire, c'est pas un desire ça, si. Ah, il m'en faut un de niveau 6, zut, comment je fais? Ça c'est pour reconsidérer les priorités, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour l'upgrader lui? On est sur la quatrième marque, je peux pas faire ça. Alors, faudra peut-être essayer de trouver des nouvelles idées avec. Bon, du coup, pendant ce temps-là... alors, ça doit être pareil ici, j'imagine. Ouais, j'ai mon desire, je peux pas mettre de desire pour l'instant. Ok, donc, on peut pas encore faire de rituel, du coup. Dommage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? En attendant, j'ai peut-être envie de... balancer ma passion là-dedans. J'ai pas d'autres trucs. Là, on verra après. On va essayer pour voir. Et en termes d'inspiration, on va balancer. Alors, on va attirer un petit peu l'attention sur nous. Avec ce truc-là. Le bureau de la suppression va tout à fait comprendre. Mais bon, pour l'instant, ça va. J'ai très peu de... Il y a peu de chances pour qu'il arrive réellement à me choper. Ok, donc un jour plaisant. On va récupérer... Conscious of Radiance, donc ça aussi c'est une petite influence. Ok, donc j'ai récupéré mon truc avec lui. Il nous donne un petit peu d'évidence. Donc, je pourrais parler encore, voyons voir. Voir si on trouve encore un autre personnage. Ah, on a terminé notre expédition, cool. Alors, oupla, j'ai un peu trop zoomé là. Donc je récupère un peu de notoriété, alors il va falloir faire gaffe parce que lui il est en train de consommer mes trucs aussi. Donc on a quelques fonds qui reviennent aussi, nos believers qui reviennent, notre monsieur à bombe. Et alors qu'est-ce qu'on récupère? Une amulette. D'accord. Donc un nouvel objet encore. Ah, on peut peut-être le lire ça. Et après là on a un livre encore. Fire Circle Tantra. Ah, c'est écrit en sanskrit, je l'ai. J'ai le sanskrit. Donc on peut directement... Ah merde. Faut d'abord faire ça. Je crois qu'en termes de lieu... Ouais, on va aller prendre ça, juste vite fait. Ok. Et après... la notoriété, on va laisser là-haut. J'aurais juste avoir toutes mes, tous mes followers. Alors... Voilà, en termes de peinture, je peux rajouter ça du coup. Ça devrait pas le consommer en plus. Ça va donner un bon boost à notre peinture. Et ensuite, donc il me faut... Ah oui, c'est vrai que j'étais en train d'augmenter ma santé.
bonne santé. En parlant de santé, on va combiner ces deux-là. C'est quoi ça? Ah. Je peux gagner de la vitalité à chaque fois que... Heart is implicated. Ok, on récupère un peu de fond grâce à ça. On va voir. Ouais, un peu de notoriété qui se bouffe. Là, ça devrait me donner de la vitalité, si je comprends bien ou quoi. Ok, non, ça me redonne juste... Ok, ma vie. Parfait. Donc, sanskrit, on peut traduire ce truc-là. C'est parti. Je sais pas si celui-là aussi... Oh yes! Ok, les deux, ils étaient en sanskrit. Parfait. Et après, pendant ce temps-là, on va prendre un peu de notoriété. Et quelques thunes. Ok. Alors, comme je disais, ouais. Malheureusement, ce truc-là, je peux rien faire de plus ici. Et je peux rien faire de plus ici. Je pense qu'il faut que j'augmente ce truc-là. Mais pour ça, ouais, on va peut-être repartir encore explorer le monde des rêves. Peut-être que je pourrais trouver un autre lore. Ok, j'ai gagné un peu de vitalité ici. Ouais, ça va prendre de la passion, ça devrait la consommer toute seule, la passion. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, j'ai une seule... Ah ouais, j'ai zéro passion, la seule passion que j'ai, elle est fatiguée. Je manque un peu de passion du coup. Ouais non, je peux pas utiliser ça pour upgrader la passion. On peut explorer avec ça ? C'est considéré comme de la... Comme ayant de la valeur, mais en fait, ça permet pas de... Ah non, c'est health followers. On va essayer, tiens. Y retourner un peu. Et ouais, notre passion va se faire probablement bouffer ici. Donc on a quoi? On a un peu... On n'a pas chopé tant que ça en termes de notoriété de mystique, quand même. Hein. Un petit peu, quand même, si. En plus, ouais, il essaie de faire une preuve un petit peu plus puissante. Alors, faut voir ce que je vois si je peux pas me débarrasser de lui. Ah, encore 2 points de vitalité, putain, mais... Je sais plus quoi en faire de toute cette vitalité, moi, après. On va se balader de nuit, tranquillou. Faudrait que je voie comment peut-être essayer de l'éliminer, le monsieur. Alors, ok, donc ça, on va l'étudier tout de suite. Hop là, ah oui, alors. Oui, ça je vais le prendre, parce que comme ça, ça m'en fait 2. Les Forgotten Chronicles, on va repartir. Entrer à travers cette porte, et comme ça, on va voir. Encore un personnage, mon dieu. On va le transformer en Believer, celui-là aussi. Voyons voir, toi tu viens là. Oup là. Toi tu viens là. Toi tu viens là. Et toi tu viens là. C'est parti. Recrutons. Un peu de contentement, cool. Je vais peut-être envoyer mon disciple explorer, tiens. Peut-être qu'avec avec l'aspect Knock, peut-être qu'il va me trouver des trucs sympas. Ah. Ouais, encore les nuits étranges, c'est pas le plus passionnant ça. Hop là, j'avais 2 bronzes. J'avais pas vu cela. Donc, lui, il a rejoint notre petite troupe de joyeux guélurons. Bon, du coup, après, en termes de papotage, je sais pas si je peux upgrader, voyons voir. Believer, cérémonie, il va nous falloir de toute façon. Normalement, c'est celui-là. Et en trappings, c'est là où il me faut un truc qui est censé booster un peu, mais voyons voir. J'ai pas de forge, je pense, ici, malheureusement. Ouais, c'est ça, j'ai pas de forge. Bon, tant pis. Ok, il a réussi à nous faire de la damning evidence. Alors il faudrait qu'on voie si on peut pas se débarrasser de ça. Voyons voir. Avec un de mes disciples. Est-ce que tu peux
Ah non, il faut l'aspect moth. Bon, ok. Si j'essaye de m'occuper de l'inspecteur Whitefield. My minion is powerful. Il va... Ok. On va tenter, on va essayer de l'éliminer. Et après, il va me falloir booster un peu les mecs qui sont de moth. Et après, ça c'est quoi? Shifty Woman. Some Expedition, elle est quoi? Expect moth de 3, ouais non, c'est pas super intéressant. Ok. Donc on va pas l'embaucher. Ah oui, on était toujours en train d'étudier cet endroit. Truc là, je vais pas les utiliser de toute façon. Waouh. Quel niveau? Niveau 8, pas mal. Pas mal du tout. Et alors, je peux pas le lire, j'imagine. Ouais, c'est parce qu'il faut d'abord que je le traduise. C'est parti. Un peu de désespoir, ça a l'air d'aller de ce côté-là, voyons voir. Ouais, ça c'est... Oh, 10 points quand même. D'aspect, d'aspect d'hiver, pas trop mal. Pas dégueulasse. Alors en parlant d'aspect mode, il faudrait que je puisse booster un de mes personnages. Alors, il y a qui a un aspect mode. Ouais, c'est elle a un aspect mode, il faut que je puisse l'upgrader elle. Sauf que si je veux en faire une disciple, j'ai pas ce qu'il faut à consommer, malheureusement. Ça, ouais, le truc de la forge, c'était peut-être pas l'idée du siècle de le prendre celui-là. Bon, on va continuer à étudier ces bouquins. Bon, en attendant, j'ai une passion de dispo, donc je vais retourner travailler vite fait, et puis on va voir quoi. Ah, j'ai... Non, j'ai qu'une seule passion, ouais, parce qu'avec ces poétries là, il faudrait qu'on puisse les exploiter. Ok, donc lui, il a rien récupéré. Notre disciple qui est juste en aspect knock. Oh, j'ai récupéré un corps humain. Ok, bon, la notoriété va rester. Mais en tout cas, notre mignon a réussi. Et je sais pas trop ce qu'on peut faire avec le corps. Pas d'interaction possible a priori. Bon, il part dans 60 secondes. Ça donne un peu de la réputation. C'est un ingrédient qu'on peut utiliser si on veut. Alors du coup, juste par curiosité, mais ouais, avec son aspect mode, elle, ça m'étonnerait que je puisse l'upgrader malheureusement. Et si je veux upgrader cette personne-là... Seven Sentence City. Ça, il va pas vouloir parce que je suis pas à intensité 7. Malheureusement. Bon, ce qui veut dire qu'il faut vraiment que je puisse upgrader ces trucs-là. Et pour l'instant, c'est un peu la galère. Donc bon, on va reparler un petit peu. Et ok, donc on a traduit ce truc-là. On va aller l'explorer. Ensuite, on va aller combiner ces deux Forgotten pour... combiné sur cette épique là. Ah, je suis tombé malade. Ok, petite mémoire. Ok, on va retourner travailler tant qu'à faire pendant ce temps là avec une raison, et on va repartir à travers cette voie tant qu'à faire, continuer à l'explorer. Ah ouais, il me le dit en plus ici, hein. Ouais, il va falloir que je upgrade au niveau 8 ce truc là si je veux pouvoir explorer plus loin. Bon, ah oui, alors dans les lieux à explorer aussi, ouais, il va falloir... Si je peux trouver une autre chronique, j'irai l'utiliser pour explorer. Parce que comme ça, on va trouver un autre lieu où on pourra envoyer notre joyeuse équipe. Et bon, on va accélérer un petit peu, du coup. Le temps que tous ces trucs se terminent. Ok, le corps a disparu. Ok, Walking Chant... Ok, j'en ai 3 de ces trucs du coup. Bon, l'affliction, il va falloir que je la soigne juste après. Mais du coup, c'est en termes de ça là. Qu'est-ce que je peux étudier d'autre? Je peux étudier ces gens-là. Ah, c'est pour apprendre le grec. D'accord. Et elle et lui. Aramaïque. Oh, aramaïque. J'avais pas des bouquins en aramaïque. Attendez, celui-là.
Il n'est pas écrit en... On essaie en latin peut-être. Non. Je pense pas qu'il soit traductible ce truc. Ouais. Ouais, non, c'est... Je pense que c'est vraiment juste le dernier livre pour dire qu'il n'y avait plus rien d'autre, quoi. Par contre, ici, ça me dit... Ah, voilà. Sanskrit pour celui-là et... Il vague pour celui-là. Alors, le sanskrit, on peut le traduire. Parti. Ok. Alors, j'ai plus que 11. Ouais, donc il faudrait que je travaille un petit peu plus. Hop là. Alors. Yes. Donc, on va aller tout de suite. Alors, j'ai pas... Merde, j'ai toutes mes vitalités qui ont été consommées entre-temps. Bon, c'est pas grave. On va prendre un petit peu des médicaments. Du coup, comme je disais, voilà. On va utiliser une de ces chroniques pour aller repérer un lieu un peu spécial. Ensuite, on retourne travailler avec cette personne-là. J'ai pas de raison. Toutes mes raisons sont occupées, apparemment. Ok, de toute façon... Ah, j'ai quand même encore la annoyance. Faudrait que je vois si je peux pas me débarrasser du mec, peut-être, avec mes points. Et moi, je fais un peu de rangement. Ah, ces poétries, faudra qu'on les utilise, un de ces quatre. Bon. Ok. Alors, merde, une rumeur. Ok, ça pourrait me permettre d'aller à quelqu'un que je recherche, apparemment. Ok, donc ça a été traduit, donc on va tout de suite le lire. Et ce truc de rumeur là, où est-ce qu'elle est passée ma rumeur? Ok, c'est normalement c'est de l'exploration il me semble. Ok, personne ne m'a trouvé, superbe. Oh, alors des bois. Alors on va peut-être juste explorer cette rumeur dans un premier temps. Récupérer notre santé et ensuite... Voilà, les finances qui vont bien. On retourne travailler pendant ce temps-là. Ouais, je vais retourner encore à travers cette porte vu qu'elle me ramène des trucs assez intéressants, je trouve. Et après, on pourrait reparler à ces gens-là pour faire leur faire des commissions pour gagner ce type de monnaie-là. Ce qui, ça m'embête un peu parce que ce type de monnaie-là, après, il faut qu'on aille le dealer à l'extérieur. Donc, autant continuer à travailler pendant ce temps-là. J'aimerais bien envoyer ces gens-là pour qu'ils aillent, viens voir. Notre disciple, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Si je veux t'envoyer en cult business, qu'est-ce qu'on peut mettre comme subject? Alors, cult business, c'est quoi? Harvest treasure from the unsuspecting. Bah tiens, on va essayer ça pour voir. Le mec, il va aller voler des gens, a priori. Ça se plaisir. J'espère qu'il va pas se faire choper, par contre. Normalement, c'est un disciple, il est assez doué. Alors. Ok, ça nous en fait deux de ces trucs-là. Donc, on va pouvoir passer au niveau suivant de profil. Mais avant, on va déjà essayer de combiner ces deux-là. Pour voir. Oh putain. Oups là. Oh encore. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir... Hop. Ah bah j'ai rencontré un nouveau... Une nouvelle perso. Ok, on va pouvoir la recruter. Bon, j'ai un peu de notoriété là. Il va falloir que je me méfie quand même. Donc du coup, j'avais... Ah merde, mais c'est deux Forgotten Epic que j'ai récupéré en plus. Ah ouais, donc je suis en train d'en crafter normalement une autre encore. Mais du coup, je vais pouvoir juste combiner ces deux-là peut-être. Ok, alors on va définitivement continuer à explorer cette porte-là parce qu'elle nous donne des trucs intéressants, je trouve. Et lui, il veut que je m'investisse un petit peu plus, donc on va le faire. Et après, on va aller explorer ça. Alors ça me dit quoi? Ça me dit... C'est quoi ça? Alors ça me dira pas plus, beaucoup plus de choses.
Donc en guise de leader, on va prendre notre disciple et son assistant, ça va être... Non, peut-être pas toi, mais on va voir qui c'est que j'ai d'autre. On va prendre les low et on va leur donner leur fond. C'est parti. Donc c'est dans une forêt et apparemment il y a des clans de cannibales. Bon, j'espère qu'on va survivre. Alors, ok, next challenge. Donc on a quoi? On a Peril Provided Forest. Donc Forge ou Moth, il me demande. On a un petit peu de Forge. J'aimerais bien peut-être lui envoyer effectivement un petit peu de Moth pour venir renforcer un petit peu sur les bons traits, on va dire, les traits positifs. Lui, il me donne encore plus de vitalité. Toujours. C'est marrant ça quand même. Hein. Toujours des thunes. On continue à aller travailler. C'est quoi ça? Tremblement dans les airs. Oui, non, mais ça, c'est en double. On va les mettre les uns sur les autres, les trucs qui sont en double. Et... Ah non, mais j'ai besoin de raison, mais j'ai déjà consommé la raison, apparemment. Ouais, mais ça, il me dit not enough, parce qu'on est que niveau 6. Ah, ma raison a été bouffée ici. Ah bah tiens, on va remettre ça. Et hop, c'est reparti. Ah, de l'érudition. Pourquoi pas. Ça pourrait m'aider pour ça, d'ailleurs, l'érudition. Alors, oui, mock the moth, ça tempérait. Alors, on va peut-être y arriver, ils disent. Peut-être leur envoyer encore quelqu'un d'autre. Alors, j'ai mon disciple. Alors, ouais, il est revenu avec des fonds, principalement. Ah, et avec carrément un bronze sprintier. D'accord, bon, ça donne un peu de... Ça donne un petit peu de... De visibilité, on va dire. Hop, et hop. Parti. Donc du coup ici, alors est-ce que je leur envoie un pawn supplémentaire ou pas? Des fonds en pierre. Je leur envoie un pion, tiens, pour les aider. On va voir si ça va les aider. Bref, je vais faire un petit break ici, les amis. Prochain épisode, du coup, on va continuer... notre exploration de ce lieu et puis essayer de combiner un petit peu ces secrets là pour voir ce que ça va donner. Même s'il faudrait que je me focalise un petit peu plus sur les trucs de la forge, je pense. Bref, merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!